Je trouve pas que ça a changé. Enfin, ça avait déjà pas mal évolué avant, donc voilà, c'est juste un pas de plus dans ma progression, mais il n'y a pas vraiment de choses qui ont évolué là-dessus. On a bien préparé déjà, parce que Félix l'avait joué la semaine d'avant, donc on a pas mal étudié son jeu, et on était parti sur un plan assez clair. Puis au fur et à mesure du match, j'ai dû m'adapter. Je sais qu'au quatrième set, il a commencé à prendre un peu plus son coup droit, donc c'était pas facile pour moi. Et au final, j'ai réussi à m'en sortir la belle, donc c'était un super match. Dans ma tête, je m'étais dit, en avant, je m'étais dit, il va me servir qu'au coup droit, il faut que j'arrive à flipper dans son coup droit. Mais avec le stress, j'ai pas réussi, donc j'ai juste fait une ballonne dans son coup droit. Et au final, je l'ai sauvé avec une carotte, mais c'était assez drôle sur le moment quand même. Sur les sollicitations, j'ai coupé mon téléphone le soir parce qu'il fallait que je dorme et que je me concentre sur le match d'après, donc j'ai pas regardé trop ce qui se passait. Mais forcément, avec l'excitation d'avoir battu le numéro 1 mondial, la nuit elle était compliquée, donc le lendemain c'était pas facile de repartir sur le match sur Malong. Et en plus il joue pas mal, donc, c'était dur. Ouais. Je pars m'entraîner à la maison à Montpellier pendant une semaine, puis après on part en stage de prépa à Oxenhausen en Allemagne, avant les mondes à Durban du coup. Merci beaucoup, ça fait super plaisir, donc j'espère que vous aimez bien me suivre, et moi en tout cas ça me fait super plaisir que vous me suiviez aussi nombreux quoi.